Bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, c'est vrai, c'est que mes activités extra ninja m'ont demandé un petit peu plus de temps que prévu, voire même beaucoup plus de temps que prévu, mais bon, là je m'y remets, et histoire de me faire pardonner, je vous ai préparé un petit événement en décembre qu'on va organiser avec le reste du staff du Cré du Troll, donc stay tuned, comme diraient les jeunes, et stay ninja tuned, comme diraient les jeunes de l'Angleterre, ce qui me permet de faire en plus un jeu de mots. Voilà, et à tout de suite pour le dojo! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dojo de Maître Jean-Jacques. Hein, ça vous avait manqué? Eh bien tant pis, on va quand même aller sur ce jeu étrange qui est Zul. Alors Zul, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de ninja, donc forcément, hein, parce que c'est un peu le thème de l'émission en fait. C'est un jeu de ninja où vous incarnez une sorte de gobelin ninja de dimension N. Ouais, je sais, ouais, c'est un peu bizarre. Et après, il faut que vous alliez sur Terre pour aiguiser vos talents de ninja. Voilà pour la présentation. Alors c'est un peu zarbi. Bon alors le skill sur easy, on va le mettre en normal quand même. Par contre, on va foutre ça en continu parce que parce qu'on est des ninjas. Hein. Et qu'un ninja, s'il peut faire facile, il fait facile. On va pas se compliquer la vie pour rien. Hein. Le ninja n'emprunte pas forcément les chemins tortueux. Allez! Alors là, comme vous pouvez voir, c'est très coloré. D'ailleurs, ma webcam part en pixels dans tous les coins. J'espère que sur l'enregistrement, ça ira un petit peu mieux. Donc voici Zul, regardez comme il est beau. Il tire des petites boules. Eh merde! Il tire des petites boules pour tuer du pudding. Hein. Ouais, chacun sa vie, hein, tu sais. Moi je juge pas, je suis pas là pour ça. Il y a des petites choses partout là qui sont faites en caramel, je sais pas exactement ce qui se passe dans Zul en fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau du développement. Il y a dû y avoir un problème psychologique je pense. Ah et alors ça là ce que vous voyez à l'écran, qui est un placement de produit honteux. Bon, en fait c'est pas vraiment un placement de produit honteux, c'est Zul, c'est une pub pour Choupa Choups. Clairement, hein, ça a été affiché en tant que tel. D'ailleurs, les gens qui achetaient la version Amiga, en fait, avaient une sucette offerte avec le jeu. Voilà, c'est assez inédit, hein, une sucette dans un jeu. Voilà, donc j'espère que jamais Charal n'aura un jour l'idée de faire de pub avec un jeu, parce que sinon je vous raconte pas la version collector. Tu vas venir avec le... Avec l'entrecôte entière. Alors il y a des abeilles, je sais pas trop en quoi ce qu'elles sont faites, parce que c'est pas vraiment sucré une abeille, enfin si, enfin non, le miel et tout. Bon, bref, voilà, bon, ça a à voir avec le sucre, c'est le même champ lexical. Hein. Alors, faut admettre par contre que le jeu, lui, hein, est extrêmement maniable, hein, ça c'est clair et net. Tu fais un peu vraiment ce que tu veux avec Zul. Il est rapide. Il va vraiment où tu veux et tout quoi, même des fois il est un peu trop rapide, c'est vraiment le seul petit reproche qu'on pourrait avoir. Mais sinon par contre, voilà, super maniable, il répond au quart de tour, tu fais vraiment ce que tu veux. Comme vous pouvez le voir ici, il saute bien, il est agile, c'est pas comme Shinobi où t'avais l'impression d'avoir chaussé des tabis en plâtre quoi. Bon, le niveau il est un peu long, alors... On en prend un peu plein la gueule tout le temps, mais ça va, il y a de l'énergie relativement souvent. Donc tu vas me dire, là on est qu'au premier niveau 1. Parce que là, premier niveau 2, je suppose que ça va se corser. Bon en fait, le jeu en lui-même, hein, si vous avez pas envie de prendre des coups à tire-larigot, en fait, faut spammer le bouton Y comme un bourrin. Quoi. Parce que vu qu'on va très vite, comme je vous l'avais déjà dit, et que...
voit pas forcément ce qu'il y a à l'écran. Mais de peur, hop, on bourre là. Tac, 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 comme ça, éventuellement, si quelque chose qui arrive en traître hors de l'écran, bah, il est déjà mort. Comme dirait quel le survivant, il est mort, mais il ne le sait pas encore. Là, je suis super haut. Oh là là, c'est la fête au bonus, là. Je sais pas à quoi servent les points dans le jeu, si c'est juste pour aller sur l'écran d'high score et puis super. Ou alors ça permet de gagner des vies. Rien que ça permet de gagner des vies. Alors autre chose, là regardez, vous voyez Zul peut sembler en très mauvaise posture. Eh bien pas du tout, il peut s'accrocher aux parois. Comme ça, là. Comme un vrai ninja. Parce que les ninjas en général sont équipés hein, pour grimper sur les murs. Quand il y avait des gros châteaux au Japon, valait mieux être équipé quoi, sinon tu pouvais pas rentrer quoi. Donc voilà, c'est une des leçons qu'on pourra prendre de Zul, hein, à propos de l'équipement de ninja, comment atteindre ses objectifs. Le shinobi sait trouver les outils nécessaires à sa réussite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça me permet de monter? Ah, mais en fait, je peux m'agripper et monter! Oh, ah non, mais d'accord, donc Zul est encore plus maniable que ce que je pensais. Voilà, tu vois, je vous l'avais dit, il y a vraiment, il y a des ennemis des fois. Ah, ils mettent des trucs au premier plan, alors ça c'est chiant. Ah, mais je vais mourir. Vite, checkpoint. Donne-moi un cœur, espèce de sale abeille. Voilà, c'est bon, j'ai eu un petit cœur. Là, ça commence à devenir un peu hardcore, là, s'il te plaît, l'abeille. Un cœur. Ah. Alors là, on arrive dans ces moments du jeu où t'avances, tu vois, genre à deux à l'heure pour pas prendre un coup parce que. Ah, c'est bon. Les abeilles sont généreuses en cœur, hein. Et tant mieux, on ne remerciera jamais assez les abeilles, c'est pour ça qu'il faut pas les tuer. Avec, vous savez, tous ces pesticides et tout dont on entend parler sur santé-nutrition.org. Wow! Oh merde, c'est cool, ouais, ça me file des points, mais moi j'aimerais bien des cœurs, donne-moi des cœurs! Ah! Voilà, Zul a disparu dans une flopée d'étoiles. Et il renaît à son checkpoint. Eh oui. Quand on part en mission comme ça, il faut toujours penser à avoir assuré ses arrières parce que sinon, bah... Ouais, dans le cul, hein. Comme dirait l'expression ninja. Le ninja doit savoir assurer ses arrières en cas de déconvenu. Mais non, je suis revenu au début, en fait. En fait, je l'ai vraiment eu dans le fion. Ah, vas-y, là. En fait, maintenant, là... Là, maintenant, ma technique, c'est de... C'est d'avancer en sautant et en tirant, voilà. Bon, c'est une technique comme une autre, hein. Je ne juge pas les autres écoles de ninja, hein. Chacun son style. Tiens, l'abeille. Je l'ai tué dardard. Ouh, oui, on peut être ninja, avoir de l'humour, merde. Ça, ces ennemis, là, cette espèce de donut à la con qui tire je sais pas combien de boules. Qu'est-ce qu'il nous a fait, là? Il s'est pris pour une danse en retour, notre petit Zul. Des petits bonus. Alors je suppose que comme dans genre Sonic et même Psycho Fox, plus tu vas en haut dans les niveaux, parce que comme je vous le dis, il y a plusieurs étages, plus tu ramasses des bonus, voilà. Mais bon, moi Zul, c'est pas un jeu auquel j'ai joué quand j'étais tout petit. Donc je sais pas trop où aller, donc je suis en bas quoi. Ah bah oui, non mais alors là franchement, ça sentait le pic à plein nez, tu vois. De grosses fosses comme ça là. Allez, sale Vietnam! Putain, hey, j'ai l'impression que où que je tombe, il y a un pic, tu vois. J'ai une malédiction, tu vois. Attention! Ah bah non, tu vois. Allez. Ah, mais j'en ai plein les couilles! Allez, mais... Putain, je vais passer ça en méthode 36 tonnes, pas en méthode ninja, mais qu'est-ce que vous allez penser de moi, mes chers disciples? Ah, je vais s'agresser par des abeilles tueuses. Bon là je... Ah allez, regarde le cœur qui volait en mode genre... tu m'auras pas, hi. Voilà. Ah. Ah non, allez, vas-y, je m'en prends. C'est un checkpoint. Excuse-moi, je tryhard. Oh. Oh non. Il cachait le pic, tu l'as vu. Et le cœur qui s'en va en mode genre... Dommage, connard. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, ça colle! Je peux pas sauter quand je suis là-dedans. Jean-Jacques ne le sait pas encore, mais cette substance étrange va bien vite devenir son pire cauchemar. L'avenir seul nous dira s'il parviendra à garder son calme légendaire. Putain, c'est lent.
Excellent. Comme le thé. Une vie. Putain, les sadiques. Ah, ah, tu vois, tu vas m'aider à la voir. Ah. Mais... Ah, voilà. Voilà. Un peu d'observation. Et on arrive à tout. Allez. Toujours pas. Ah ouais, alors j'avais oublié cette petite technique là. En fait, il faudrait que tu fasses ça quand je saute à l'aveugle, ça... Tu fais... Oh, en fait, tu fais des espèces de tourbillons. Ah donc j'avais complètement zappé ces tourbillons. Donc voilà, donc quand on adhère à une école de ninja, tu vois, eh ben, il faut bien connaître tous ses coups. Parce que sinon, bah, tout de suite, l'école de ninja, elle est moins bien. C'est logique. Vous comprenez ce que je veux dire? Non? Attendez, je vais mettre l'écran, vous allez peut-être me comprendre. Une école de ninjutsu n'apparaît cohérente que dans son entièreté. Ah, alors, la fin du niveau doit être vers le haut. Donc on va monter. Fous-moi la paix! Putain, elle va me buter en boucle. Fous-moi la paix! Ah, alors là, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais bon, ça me va. Putain d'abeille. J'ai l'impression de perdre mon temps. Oh putain, les abeilles me cassent les couilles. Cours! Cours! Bon, ça fait 3 plombes que je suis sur ce truc là, ça commence vraiment à devenir un peu chiant. Viens vite, espèce de bout de bois. Oh putain. La course poursuite la moins épique du monde. Je sais pas, mais c'est infernal ce truc. Oh putain, ça va me gaver là. On sait qu'un ninja doit être patient et tout, mais là ça commence pas à me gaver là. Alors ça par contre, il faut quand même avouer que c'est une idée de level design tout merdique là. Parce que là, bon, là regardez. Super quoi. Alors je ne tarissais pas d'éloges jusqu'à présent sur ce jeu. Alors je dois avouer que là, ce passage dans la rivière, il est vraiment nul, quoi. Ah putain, non mais sérieusement, quoi. Putain, mais des trucs comme ça, il devrait y en avoir mais 10 fois plus, quoi. Bah tu peux m'en regarder comme ça, trop du cul, hein. Putain, alors là, je crois que j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé un truc pour en sortir, alors vous voyez. Non ! Putain, l'abeille de merde. Ah non, je panique, Ah, ils vous connaissent d'abeilles! Oh putain, mais il y en a partout. Putain, mais. Et... Le boss, ça doit être la reine des abeilles, quoi. C'est pas possible autrement. Putain, et en plus! Vite, 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 vite! Putain, je crois que je suis. Ah non, c'est pas loin de crever, là. Ta gueule, toi. Allez, il doit être là, là, allez! Une vie. Très bien, pourquoi pas. J'ai pas envie de me tourmenter. Ah oui. Quoi, pourquoi? Ouais, alors donc l'objectif du jeu est pas très clair là. Je suis un peu colère, je suis un peu déception, je suis un peu j'en ai plein le cul hein, donc voilà. Ouais, donc ouais, ce que je disais, l'objectif du jeu est pas très clair. Alors c'est emmerdant, regardez, il me reste 47 secondes pour courir après quoi, je sais même pas. Donc c'est chiant. Je vais essayer d'aller jusqu'à la sortie du niveau pour voir si j'ai récolté assez de points. Puis... Non, toujours pas. Allez, bah tu sais quoi, va te faire enculer le jeu. Une dernière leçon. Bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. Ah bah si, quand vous êtes un ninja et que vous partez en mission, assurez-vous bien de savoir quels sont les véritables objectifs. Parce que sinon, eh ben comme moi, dans ce cas-là, vous allez l'avoir dans l'oignon. Si les objectifs d'une mission sont clairs, la route de la réussite est déjà éclairée. Bon, eh bien merci, c'est sur la mort de Zou à cause du time-out, regarde action. Pif, allez, tu disparais, bah tu sais quoi, tu vas te faire foutre, hein, parce que là, franchement, je suis un peu gavé. C'est sur la mort de Zou, donc, que nous nous quittons. Donc, Zou étant mort, bah écoutez, je vais vous dire à une prochaine fois pour une nouvelle leçon du dojo de
Maître Jean-Jacques.